Salut à tous, ici Kevin Uriel 35. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on est le jeudi 21 avril 2016. Donc aujourd'hui, comme je vous l'ai promis, explication sur ma Team Star, donc la team que j'ai créée spécialement pour Resident Evil. Donc pour cette team-là, j'ai créé donc au début, je l'ai créé sur la Xbox 360. Donc je l'ai créé avec comment dire. J'avais eu l'idée, donc j'ai eu plusieurs teams sur la Xbox 360, mais du coup, au début j'avais fait une team sur le catch, après ça m'avait désintéressé. Après j'avais fait la team Umbrella Corp de Resident Evil, c'est pareil, j'ai pas trop aimé. Après ensuite j'ai fait la team of horror, donc spécifique des jeux d'horreur. Et là maintenant, donc c'est la team Stars Resident Evil, donc spécial Resident Evil. Et donc du coup c'est parti pour les explications. Donc on va commencer, donc comme je disais, sur la Xbox 360, j'avais créé donc, l'année dernière, c'était en mars ou avril 2015. J'avais créé pour but de jouer avec des fans de la saga Resident Evil. Donc voilà. Donc on n'est pas beaucoup dans cette team, après c'est vrai qu'il n'y a pas tant que ça de fans sur Xbox 360 des Resident Evil, ou alors je les connais pas spécialement, donc voilà, après c'est vrai qu'on peut pas connaître tout le monde. Et sinon après moi dans ma team je recherche vraiment ceux qui ont fait beaucoup du rétro. Bon après on n'est pas obligé d'avoir tout ce qui est du Resident Evil rétro, hein, on peut avoir aussi un peu du récent. Mais au moins un minimum être fan des premiers Resident Evil, par exemple le 0, le 1, le 2, le 3, le 4, non pas le 4, non, le 4, c'est parti des derniers. Moi je vais plutôt mettre le code Véronica et voilà. Donc du coup pour expliquer un peu au clair, donc sur Resident Evil, donc la Team Star sur Xbox Live, c'est pour les fans, comme je disais. Donc j'avais créé aussi sur mon ordi un petit questionnaire avec chaque Resident Evil, donc le 1, le 2, le 3, le 2, le 4, le 5, le 6, le révélation, révélation 2, ORC, enfin bref. Donc du coup j'avais créé des questionnaires pour les fans. Donc voilà. Donc pour ceux que ça intéresse, vous pouvez me demander sur Xbox au nom de Kevin René, donc sans S parce qu'il n'y avait pas de place pour le S. Donc du coup c'est tout en minuscule et il n'y a pas d'S à la fin. Donc voilà, c'est pas parce que je sais pas les faire, c'est parce que donc, comme je dis, il n'y avait plus de place pour écrire avec un S. Donc du coup j'ai mis sans S. Et ensuite, vous me demandez au nom de Kevin René sur Xbox. Et si vous avez des questions, je pourrais vous en donner plus en détail sur Xbox. De préférence, il y aura un test pendant une semaine ou deux pour recruter. Et ensuite, après, comment expliquer ça? Il y aura un personnage à choisir, donc le personnage préféré de votre saga, de Resident Evil. Par exemple, que du Team Stars ou du RPD, donc la police de Raccoon City. Donc de préférence, Marvin, Léon, Claire, de la police. Puis il y en a d'autres. Et puis après, tous ceux du Stars de l'équipe Alpha ou Bravo. Donc par exemple, Chris, Jill, Wesker, Barry, et tout ça. Enfin, les plus connus. Et puis après, il y a les moins connus, Joseph Frost, Kenneth, Richard Eken. Après, il y a aussi Enrico. Il y a tous ceux qui sont les moins connus. Et donc du coup, vous pourrez choisir un des personnages de l'équipe Stars, de préférence qui n'est pas choisi, parce que moi par exemple j'ai pris Barry Burton, après il y en a d'autres qui ont pris, il y a Chris qui a été pris, Jill, et puis je crois que c'est Léon, je suis pas sûr, il faudrait que je revérifie. Donc ces personnages-là sont pris, mais pour ceux qui veulent rejoindre et qui ont un personnage préféré, n'hésitez pas à me le dire. J'ai aussi une page Facebook avec toute l'actualité des Resident Evil. Bon, en ce moment je m'en occupe plus trop, mais je la remettrai à jour avec d'autres actualités dessus. Donc ce qu'il y a, par exemple, bon là ça va être une info à prendre au conditionnel, ça veut pas dire que ça va pour le moment
c'est pas des sources fiables à 100%. Donc voilà, je préfère le dire, c'est pas un fake ou voilà, c'est juste des infos à prendre au conditionnel parce que ça peut sortir comme ça ne peut forcément pas sortir, on verra bien. Donc le Resident Evil ou Breakfire 3 qui avait été prévu sur 3.6 et PS3 mais qui a été annulé, donc du coup il sera plus sur PS4 et Xbox One. Donc du coup voilà. Après il y a d'autres infos, par exemple sur une petite info sur le tournage du film, le chapitre final de Resident Evil. Par exemple il y a aussi j'ai mis par exemple les dates de sortie que, bah, du 4, du 5 et du 6 qui ont déjà été sorties avant sur les anciennes consoles et qui vont sortir, par exemple bah, le 6 qui est déjà sorti, le 5 qui sort cet été. Pas de date fixe pour le moment, on sait juste qu'il sort cet été. Et donc le 4 qui sort pour automne. Donc voilà. Et du coup, bah, je crois que c'est tout. Et puis donc, bah, je mettrai la page Facebook dans la description. Dans la description. Et puis je mettrai aussi. Je mettrai d'autres. Enfin, on verra ce que je mettrai. En tout cas, je mettrai déjà donc, dans la description la page Facebook. Bah, mon gamertag pour ceux qui veulent me rejoindre sur Xbox pour la Team Stars. Et donc bah, je vous invite à aller voir sur ma page Facebook bah, tout ce qui peut être proposé sur bah, Team Stars. Donc voilà, il y aura des actualités. Je mettrai, je pense, les questionnaires que j'avais notés pour le Xbox Live. Je les mettrai aussi pour Facebook, pour ceux que ça intéresse, pour ceux qui n'ont pas forcément la Xbox. Donc voilà. Donc comme je dis, je recherche vraiment des fans. Pas forcément des gros fans à mort qui ont tout fait. Hein. Moi je demande juste un minimum au moins d'avoir fait un peu de rétro. Enfin voilà, quoi. Juste pour au moins faire le questionnaire et puis faire bah, s'ils aiment vraiment Resident Evil. Donc voilà. De toute façon. Je proposerai après d'autres activités pour ceux que ça intéresse. Par exemple des tournois sur les Resident Evil les derniers, le 5, le 6, des modes affrontement, du mercenaire, beaucoup de travail d'équipe dans le mode campagne ou même voilà. Mode commando dans Révélation 1 ou Révélation 2. Voilà, même si j'aime pas trop le Révélation 2, j'en ferai quand même bah, pour ceux que ça intéresse. Après je vais pas faire que les anciens et tout ça. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Bah, laissez le pouce bleu si ça vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, pareil si ça vous plaît. Et donc bah, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Donc je pense que la prochaine ça sera donc je montrerai mon collecteur de Evil Within. Et puis bah voilà, donc on se retrouve pour la prochaine vidéo. Et donc je vous dis à la prochaine.